Arsène, olé olé, tac, bien envoyé. Salut à tous, c'est nous, on est là et c'est déjà pas mal. Voilà, la truffe finie. Aujourd'hui, on va semblant faire du code parce que notre ami Yohan, ici présent, est en passe de passer le permis. Passer le code, hein, déjà, pour commencer. Enfin, ça fait à peu près 6, 7, 8 mois peut-être, hein, mais... Oui, mais il y a quand même de la volonté de la main. Oui, il y a... Comment ça s'appelle déjà? On s'est dit pourquoi pas remotiver Yohan à passer son code tout en faisant une vidéo. Peut-être pourquoi pas vous remotiver vous qui passez aussi le code. Et ça peut même vous donner envie, si vous hésitez à passer le permis, etc., à le faire. Alors Enzo lui a déjà 45 codes, c'est ça? Ouais, j'ai 45 codes, j'ai 6 permis. Là je suis en train de passer mon permis sous-coupe pour pouvoir aller dans l'espace. Mais vu qu'Enzo a déjà son code, ça va être un petit peu mon superviseur. On va faire 2-3 séries. Cette vidéo est absolument pas sponsorisée par Emmanuel Macron. Par contre, elle est sponsorisée par la sécurité routière. Et Ornicar. Sécurité routière, tous en danger, tous en fierté. Et Ornicar, parce que... Mais où est donc Ornicar? Il est sur cet ordinateur, juste ici, quoi. C'est parti, on va s'amuser, place au jeu. Place au jeu. Jingle. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On passe directement à l'examen blanc? Alors du coup, on parle. Et du coup, attends, j'ai envie de... pour prouver que j'ai le permis. Oui. Alors, les damiers rouges et blancs, ça dit bien sûr une voie de détresse. Et est-ce que tu peux stationner sur ce marquage en cas d'urgence? Oui, puisque c'est une voie de détresse. C'est le but d'une voie de détresse. Voilà, c'est quand on est en détresse. Détresse, détresse urgence égale synonyme. Voilà. Allez, permis. On rappelle qu'il a le permis, le code, tout ce que vous voulez. Deux fois le code. Oh, la gueule du truc. Oups, les bonnes réponses étaient AD. Je dois prendre en compte la trajectoire oscillante du cycliste. Évidemment que oui, parce que sinon on va lui casser A, la gueule. Non, réponse B. Je veux dire, deux questions, un qui a pas le code, un qui a le code. Une mauvaise réponse, une bonne réponse. Celui-ci ne porte pas de casque et circule en danseuse. Attention, choisissez votre sport, le vélo ou la danse. Ne faites pas du vélo en danseuse ou ne dansez pas en vélo. Je pose une question à un expert, ça sert à rien de cliquer dessus puisque l'expert c'est moi, donc pose-moi la question directement. L'éblouissement peut survenir le jour, la nuit. Eh bien, les deux. Nécessite un temps d'adaptation d'une seconde. Alors ça c'est genre de question chiante parce que pour toi ça nécessite un temps d'adaptation et va dire oui c'est vrai. Mais pas mais c'était 2 secondes, c'est dommage. Donc je vais dire que oui, mais ça va pas être 1 seconde, j'imagine. Voilà. Deux questions, deux fausses. Je surveille particulièrement la zone B, parce qu'on ne sait jamais si un usager sort de sa voiture devant le frein. Et ouvre la portière. Je peux te dire que c'est la bonne réponse. En revanche, c'est pas à cause de la portière, c'est juste parce qu'il y a un énorme bus ici. Je sais pas si tu l'as vu. Il n'entoure pas le bus, il entoure là-bas. Bah, le devant du bus, quoi, pour dire. Ah, le bus, c'est jusqu'à devant là-bas. Effectivement, j'avais pas vu. Mais qu'il avait pas vu le gigabus qui est en ligne. Je l'avais vraiment pas vu en plus. Et je place mon pied devant le frein. Au cas où, je valide mes réponses. Parce que pour l'instant, il y a deux bonnes pour moi, deux fausses pour toi. Je te l'ai validé, donc même si t'as juste, j'ai un peu juste aussi, quoi. Voilà, c'est tout. Je viens d'obtenir mon permis. Bon, allez, ça c'est facile. Hop, ça, hop, ça, hop, ça dégage. Ouais, tu l'as pas lu la deuxième. Sans perte de points, j'observais doucement au bout de 2 ans. Si t'as fait la conduite accompagnée. Mais attends, mais il dit pas comment qu'il y a la conduite accompagnée. Si, il a écrit okay, j'ai fait la conduite accompagnée. C'est comme le bus de tout à l'heure. Tout est là quoi. Peut-être lire les questions, c'est peut-être important avant de passer un test. Si je n'ai pas attaché ma ceinture, un témoin lumineux peut me rappeler alors. Peut potentiellement. Faut dévoiler la voiture qu'on a quoi. Si on a une. J'ai pas l'air des voitures. Tu peux me dire une voiture nulle? C'est quoi ta voiture? Ce conducteur a une bonne tenue pour conduire. Il a une bonne tenue, c'est-à-dire. Bah, il a un beau manteau en tout cas. Des petites manches rouges là, comme ça, franchement magnifique. Propre. Hein. Rappel au col ici. Non, ouais, il a une bonne tenue. Hein. Non, bonne tenue. Ouais. Bon, en vrai, non. Ah, si, il a une bonne tenue. Non, il a un gros blouson, frérot, c'est pas bien ça. C'est dangereux. Ah ouais, on conduit pas en manteau. Oh là 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 là. Faut que tu sois malléable dans tes gestes. Et avec un manteau, t'es plus serré. Pardon, mais il a l'air hyper à l'aise dans son manteau. Et si le mec, il doit rouler même pas 1 km? Faut savoir qu'une voiture, il lui faut en moyenne 5 bonnes minutes pour se chauffer. Donc, le mec, il rentre dans sa voiture, il enlève son manteau, il se pèle le cul pendant 5 minutes que la voiture a déjà chauffé, pour ensuite rouler et devoir remettre son manteau, parce que dehors, c'est la neige. Parce que généralement, quand t'as un manteau, c'est que dehors, c'est la neige. Pas forcément. Enfin, non, il fait froid, je veux dire. Bon, je pense que je vais changer d'examinateur, hein, parce que... Regarde, là, c'est comme ça qu'on fait. Ok, fais voir. De porter un manteau et une écharpe qui peut accélérer l'arrivée de la fatigue ou empêcher. Non, mais attends, qui porte un manteau et une écharpe et se dit je suis bien au chaud, c'est très cocooning. Si je m'endormais sur l'autoroute. Arrête de t'énerver, oui. La ceinture est toujours obligatoire pour une femme enceinte. Allez. Ah non. Hein, non? Le médecin peut déconseiller d'attacher la ceinture. Mais attends, le médecin il peut déconseiller d'attacher la ceinture? Il peut pas déconseiller la meuf de prendre la voiture? Ça paraît quand même être beaucoup plus sûr. Tu déconseilles quelqu'un de se protéger en cas d'accident quand même. Monsieur, vous rentrez dans une centrale nucléaire, vous êtes un petit peu asthmatique. Plutôt que vous empêcher de rentrer dans cette centrale, je vous conseille de ne pas porter de masque. Ça me paraît quand même beaucoup plus sûr. L'éblouissement réduit le temps de réaction. Le temps de réaction, oui, non, parce non, que... Mais non, non, mais non. Ah, réduit. Ah, tu vois, ça, je me trompe tout le temps. Voilà, puisque si on réduit le temps de réaction, ça veut dire qu'on réagit encore plus vite. Oui, en fait, non. Or, à cause de l'éblouissement, on réagit plus tard, donc ça augmente le temps de réaction. Vous voyez que je suis un expert un peu? Bon. Ah, aux questions vidéo, c'est les meilleurs. Oh là 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 là.
Le mec m'enlève tout mon divertissement, c'est grave. Laissez la radio allumée, moteur éteint, décharge la batterie. La réponse est oui, attention à votre batterie parce que vaut mieux jouer de la guitare, quoi. Oh, une vidéo, ouais. Il est difficile de détecter les motards à cause de leur faible gabarit. Comment ça, faible gabarit? Comment ça, un motard a un faible gabarit? Bon, dans mon cas, oui, mais pas tous. C'est un motard, pourquoi... ça? C'est un scooter, frère. Et bah, bah. Mais pourquoi ils ont besoin de mettre une vidéo pour ça? Que tu sais plus que c'est un motard. C'est quoi un motard? Un mec à moto. Ou un scooter, visiblement, puisque visiblement, c'est la même chose. C'est une moto, elle croyait qu'il était tôt, mais en fait, elle est motard. Oh oui, moto, motard. Ah, ça marche bien, là, dans ce cas-là. Merci. Non, ouais. Dès la consommation de carburant, je place en premier lieu mes bagages de préférence. Sur une galerie. Mais surtout si vous faites des tableaux, il faut les mettre dans une galerie. On n'est pas obligé de cautionner toutes les balles. Enfin, pardon, je vous le dis. Hein. C'est dans le coffre. Là, il n'y a même pas de coffre de toi, regarde. Il n'y a même pas de toi. Il n'y a même pas de toi. Bon, je fais ça. Ok. Mon passager, oh oui, faire de la presse, regarde. Du coup, non. Par contre, si c'est une femme enceinte, elle peut se mettre dans cette position. En tendant sa jambe, ce motard montre un manque de confiance en lui. Ah oui, ça se voit, je pense qu'il a une enfance traumatisante et que son père l'a battu quand il était jeune. Beau fiac, hein. Ça veut dire que. Oh le bof. Une conduite nerveuse. Attends, il est énervé le monsieur là. Il a l'air mi-énervé, mi. Le bon cachoulet que j'ai mangé ce midi. La situation présente un risque d'accident. Oui, ça présente un risque d'accident parce que si vous regardez bien, alors il faut avoir l'œil, attention, hein, moi je l'ai pas vu au premier coup, mais la personne là ouvre sa portière. Et oui. On peut zoomer, elle a des sacrées ballerines. Et contre. Ça augmente le risque d'accident parce que vu qu'elle a des ballerines, elle pue des pieds et lui il a la fenêtre ouverte. Donc forcément, dès qu'il va passer à côté, il va sentir une odeur et pam, il va s'évanouir. Et voilà. C'est un expert, hein, ne l'oubliez pas. Là, je maintiens mon œil et reste sur cette voie. Je peux tourner à droite. Eh, mais c'est Montpellier, non? Regarde les bâtiments comme ça, c'est pas Saint-Jean-des-Dasses plutôt? C'est Nantes. C'est Nantes? Tu l'as vu où? Là, il y a écrit Nantes. D'accord. Oui. Allez! Et combien on a fait? 9 fautes sur 40, en sachant que j'en ai peut-être fait 5 tout seul. Bon, première série, 9 fautes sur 40, mais c'était la série d'entraînement parce que ni lui ni moi n'avons fait de code depuis longtemps. Maintenant qu'on est échauffé, la prochaine série. 0 faute. Cette fois-ci sera la vraie série, ça c'était un petit peu la série blanche, même si. J'ai pas. T'as une suite à cette vanne? Oui, oui, parce qu'en gros, si vous faites une série par exemple sur Netflix, et bien que vous la faites toute blanche, bah y a aucun intérêt quoi. Du coup, là, c'était la série d'entraînement parce qu'il fallait qu'on s'entraîne. Donc on peut faire l'examen blanc alors? Voilà. La prochaine, on fait moins de 5 fautes. Allez! Mais examen blanc, vous m'avez dit. Ah, mais examen blanc, c'est quand t'as les résultats à la fin, mais t'as pas oui. Les réponses comme là au fur et à mesure. Oui. En fait, depuis tout à l'heure, j'apprends ce qu'il dit sans comprendre. Comme toutes les questions du code. Comme hein. Comment tu fais? Bah, nouvelle série. Examen blanc. Donc là, il faut se concentrer. Hein. Ok, là, on alors, c'est un peu plus stressant déjà. Ouais. On s'est arrêté de parler instant. À 1000 mètres, je vais rencontrer. Oh putain, ça veut dire qu'on a du temps. C'est 1000 mètres, c'est deux flèches qui vont dans les deux sens, et oui. 1000 mètres, ça fait beaucoup, ça fait 1000 classes d'élèves. On n'est pas obligé de cautionner toutes les balles. Enfin, pardon, je vous le dis. Hein. Une vidéo. Non, c'est non. Il y a pas mal de clignots. Tu vois qu'il y a pas mal de clignots. Oh là là, il y a pas mal de clignots. Ah, ah, pas de clignots. Pas de clignots. Cet usager a respecté les non, règles. Non, pas de clignots. Je peux circuler sur cette voie si je circule à 80, c'est minimum 80 sur la troisième voie de gauche, je crois. Je suis bien placé pour dépasser. La troisième voie de gauche? La voie de gauche, quoi. Oui, la voie de gauche. Et je suis bien placé pour dépasser le camion? Non, parce que je pourrais me mettre sur la voie du milieu. Donc là, lui, il est bien placé pour vous le dire. Placer mes mains sur la moitié supérieure du volant à l'extérieur de la couronne permet. Ça permet un meilleur confort de conduite évidemment parce que. Je sais pas pourquoi j'ai jamais conduit. Le gabarit de ce véhicule l'oblige à chevaucher ma voie dans un virage. Alors, réponse. Laissez deux secondes à Yohan parce que juste le temps qu'il voit le bus. Après c'est bon. Il y a un bus là. Je peux emprunter la sortie. Oui. Ouais, t'es un peu. Dépêche-toi alors. Continuez le dépassement. Là, faut y aller maintenant, frérot. Des pneus sous-gonflés. Ça augmente la consommation de carburant. Il y a un risque d'éclatement des pneus. Ils sont pas déjà éclatés, ils sont crevés. Non, ils sont sous-gonflés. Putain. Je vais y arriver, les refs. Ce qui est drôle, c'est que tu lis bien. Tu lis la vraie question. Mais ta tête, ça comprend pas comme ça. Devant le panneau, je suis autorisé à m'arrêter. Réponse A. À stationner, réponse B. Je peux faire en fait, ça peut être mon futur métier. Bon, on est autorisé à ni à s'arrêter ni à stationner. Et un kilomètre après le panneau, il était interdit. Attends. Merde. Les deux. CD. Et tu cliques. Ah non. Je circule à 130. Bon, on a raté deux questions. Je sais que. Oh, non. Oh la dégue.
J'ai vu ce super bon poids, Rebo. Il est trop cool, hein. J'ai des douleurs dans la nuque et dans le dos. J'accélère. Réponse B, je m'arrête. Réponse C, j'ai fait des presses. Réponse D, j'ai peut-être consulté un médecin. Tu t'as mal. Généralement, les douleurs dans la nuque et le dos, c'est un signe de fatigue. Si vous avez un manteau en plus, vous allez sûrement vous endormir au volant. Eh oui, c'est ça. Ah, il s'appelle Martin Paul. La malédiction du double prénom. Il y a de utopie quand même, hein. Ça, c'est, hein. C'est un peu utopique quand même. Et puis il est né en 81. Il est mort en 2013. Sa signature, c'est juste signature, écrit signature. Ça fait une croix à ce moment-là, quoi. Suite à la conduite accompagnée, c'est 6 points. 6 et 6 12. Je l'ai. Je passe avec prudence. À condition que prudence soit dans la voiture. Si vous n'avez pas d'amis, il s'appelle prudence. Ne passez pas. Ne passez pas. Prudence, c'est mère de sûreté. Sûreté, ta mère la pute. Nec le fennec. Ce type de balise une séparation des voies. Et se situe sur voie rapide. Séparation des voies. Attention, c'est le moment où on va voir notre nombre de fautes. Mettez pause à la vidéo. Préchotez combien on va avoir. Combien tu penses qu'on va avoir? Ben moi, déjà, on en a gâché 2 parce qu'on a été con. Moi, je pense qu'on a fait 7 fautes. Bon, allez, moi, je vais dire 5. Comme ça, on a le code. Allez. Du coup, c'est une fin de vidéo. 9 fautes. Visiblement, je pense que je suis pas encore prêt pour passer le code. Toi non plus d'ailleurs. Ah, tu l'as déjà, bon. Mais en tout cas, c'était sympa quand même, malgré tout, de réviser un petit peu. Je pense que si vous devez passer le code, ne faites pas juste de séries comme nous. Hein. Soyez plus rigoureux. Lisez les questions, comprenez les questions. Surtout, hein, ça c'est important, comprendre les questions et les lire. Ouais. Et bien lire les explications aussi. Parce que quand vous avez faux, lisez pourquoi vous avez faux. Parce que sinon, vous referez la même connerie après. Surtout, j'allais dire, dites-vous que le code, vous l'apprenez là, vous l'oublierez à partir du moment où vous l'avez eu. Donc vous posez pas trop de questions. Apprenez le par cœur, vous aurez tout le temps plus tard. Non, le conseil est bon. Bon, comment dire, c'était pas une vidéo encore très compliquée. Ça allie l'utile à l'agréable parce que Johan, dans tous les cas, doit réviser le code. Et en vrai, je suis sûr que ça te remontire un peu à le passer. Non, de l'avoir. Voilà, c'est une fin de vidéo, une fin de tournage. Bam, je l'ai dit tellement vite que tu peux pas me couper et m'imiter, ça me fiague, va. C'est une fin de vidéo, une fin de tournage et on se retrouve dans 2 semaines. Ah oui, juste parce que je vais apprendre à faire ça. Voilà, nos réseaux sociaux s'affichent juste au-dessus. Et voilà, allez voir nos TikTok, nos Insta qui sont maintenant professionnels. Pour ma part, pour lui, ça fait un moment, mais moi, je viens de le passer en professionnel. C'est vrai? Ouais. Bah, félicitations. Et on fait tous. On est des professionnels. De PNG, confetti, piouf, c'est la fiesta. Allez suivre nos réseaux. À dans 2 semaines. Bisous. On vous aime. Un petit peu. Oui. Salut!